Bénis le Seigneur pour ta famille. Bénis le Seigneur pour tes enfants. Bénis le Seigneur dans la commande. Gloire à Jésus. Alors ce matin, nous sommes heureux de prier avec le pasteur Anthony Kabengele. Vous savez, la parole éternelle à Lubumbashi, ils ont commencé à ouvrir des extensions. Alors, il est pasteur de l'extension de la parole éternelle Kisanga, pour ceux qui connaissent. Il est venu pour des raisons de deuil. Est-ce que nous pouvons le recevoir pendant qu'il se lève? Jésus. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous fortifie. Merci beaucoup. Nous allons prendre à présent nos Bibles dans le livre de Psaumes, le chapitre 14. Psaumes, le chapitre 14, nous lisons à partir du premier verset. Et nous allons lire jusqu'au dernier verset, c'est-à-dire le verset 7 dans la version que j'ai. Il est dit ceci. L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. Ils se sont corrompus. Ils ont commis des actions abominables. Il n'en est aucun qui fasse le bien. L'Éternel du haut des cieux regarde les fils de l'homme. Pour voir s'il y a quelqu'un qui soit intelligent, qui cherche Dieu. Tous sont égarés. Tous sont pervertis. Il n'en est aucun qui fasse le bien. Pas même un seul. Tous ceux qui commettent l'iniquité ont-ils perdu le sens? Ils dévorent mon peuple. Ils le prennent pour nourriture. Ils n'invoquent point l'Éternel. C'est alors qu'ils trembleront d'épouvante. Quand paraîtra au milieu de la race juste. Quand Dieu paraîtra au milieu de la race juste. Jetez l'opprobre sur l'espérance du malheureux. L'Éternel est son refuge. Oh, qui fera partir de Sion la délivrance d'Israël. Quand l'Éternel ramènera les captifs de son peuple. Jacob sera dans l'allégresse. Israël se réjouira. J'ai voulu que nous puissions lire tout ce psaume. Parce que vous savez, nous l'avons dit le dimanche passé, le psaume est un livre formidable. Dans ce livre de psaumes, chacun de nous se retrouve. Parce qu'on y voit tous les sentiments qu'un homme peut éprouver. La peur. L'incertitude. Le sentiment d'être petit face aux événements qui arrivent. Et ce qui est merveilleux dans ces livres, c'est que en n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, on peut trouver un psaume avec lequel on peut prier. Mais les psaumes nous font aussi réfléchir. Nous font réfléchir sur les réalités de la vie. Les psaumes nous font réfléchir sur notre marche avec Dieu. Et dans ce psaume, il parle du sort de l'insensé. Et il nous donne une merveilleuse définition de l'insensé. Et nous le voyons dès le début. Il dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. L'insensé donc, ce n'est pas celui qui n'a pas de grand diplôme,
L'insensé donc ce n'est pas celui qui ne sait pas lire et écrire. L'insensé, c'est celui qui nie l'existence de Dieu. L'insensé, c'est celui qui refuse d'admettre que Dieu existe. Tout ce dimanche, frères et sœurs, ces premiers dimanches de l'année, nous allons aborder une série intitulée Ces erreurs ou les erreurs qui ruinent les vies. Ces erreurs qui détruisent les vies. Et en chaque culte, nous allons aborder une erreur. Ce matin, dans ce premier culte, nous abordons une première erreur. Deuxième culte, nous allons aborder une deuxième. Et au troisième culte, nous allons aborder une troisième erreur. Il nous arrive, frères et sœurs, tous, bons, à un moment de se dire, ou même de réfléchir, on se dit en soi-même, voilà ce qu'on a fait de moi. Voilà ce qu'on a fait de moi. Vous entendrez même certaines personnes dire, je n'ai rien fait. C'est l'autre qui a fait ceci. Si je traverse cette situation, si je passe par telle circonstance, si aujourd'hui je vis certaines choses, c'est parce qu'on a fait ceci. Et nous citons plusieurs personnes, nos parents, nos politiciens, nos dirigeants, nos enseignants et même nos voisins. Nous mettons souvent ainsi en avant-plan. Nous mettons en avant-plan ce que les autres ont fait. Et nous minimisons l'impact de nos actions sur nous-mêmes. Nous minimisons l'impact de ce que nous faisons. Frères et sœurs, ce que nos parents font a de l'impact sur nos vies. Un grand impact même. Ce que les dirigeants politiques font ont un impact sur nos vies. Ce que ton époux, ce que ton épouse fait a un impact sur ta vie. Mais que ce que toi-même tu fais. J'ai aimé ce qu'un auteur a dit. Le problème, ce n'est pas ce qui arrive autour de toi. Mais le problème, c'est ce qui arrive en toi. Le problème, ce n'est pas ce qui arrive autour de toi. Mais le problème, c'est ce qui arrive en toi. Frères et sœurs, il y a des vies qui sont ruinées. Et cela est une réalité que nous ne regardons pas souvent. Une réalité à laquelle nous pensons très rarement. Mais il y a des vies en ruine. Des vies détruites. Des vies qui sont saccagées. Et la Bible nous donne quelques exemples des vies détruites. Le premier exemple, c'est l'exemple de Caïn. Il a détruit sa propre vie en mettant fin à la vie de son frère, en laissant libre cours à sa jalousie. En étant incapable de se maîtriser. La Bible nous parle de Saül, roi d'Israël. Il a une vie en ruine.
À telle enseigne qu'au soir de sa vie, il était obligé d'aller consulter ceux qui invoquent les morts. Oh, le grand Saül, celui qui, il y a quelques années, était intronisé comme roi d'Israël. Mais il termine sa vie sans Dieu. Loin de Dieu, obligé d'aller invoquer les morts pour recevoir une direction. La Bible nous parle d'Absalom, fils de David, qui par vengeance va prendre des décisions graves, arriver jusqu'au point de chasser son père, poser insensé. Sa vie est ruinée. Détruite. La Bible nous parle de ce jeune prophète par qui Dieu envoie un message à toute une contrée. Et il annonce ce message. Mais il n'a pas le discernement. Le discernement de savoir. Il n'a pas la capacité de distinguer entre le conseil d'un homme, même s'il se présente comme serviteur de Dieu, et les directives de Dieu. Il rencontre ce vieux prophète qui va lui dire, Dieu m'a aussi parlé. Et par cet acte, de prêter son attention, son oreille à cette personne, il va finir sa vie sur le chemin de retour. Il ne va pas arriver à destination. Que dire de Samson? Oint par Dieu. Choisi par Dieu. La réponse de Dieu. À la misère, à la domination dans laquelle son peuple croupissait. Doté d'une force extraordinaire. Capable de tuer des multitudes simplement avec une mâchoire d'argent. Mais Samson, sa vie est ruinée par ses passions, par ses désirs. Au soir de sa vie, il se retrouve aveugle. Lui, le grand vainqueur, il est aveugle. Étant un sujet, un objet de distraction pour les ennemis de son peuple. Et que dire de vie en ruine que nous constatons chaque jour autour de nous? Ses voisins, cet oncle, cette tante, mais n'allons pas très loin. Peut-être vous-même, votre vie est en ruine, détruite. Vous-même, vous n'espérez rien de vous. J'aimerais nous dire et nous le rappeler. Beaucoup de destructions dans nos vies peuvent être évitées. Beaucoup de malheurs dans nos vies. Beaucoup de détresse dans nos vies peuvent être évitées. Beaucoup de chaos dans nos vies peuvent être évitées. Beaucoup de catastrophes arrivent dans nos familles, arrivent dans nos sociétés, peuvent être évitées. Beaucoup de malheurs dans nos couples peuvent être évités. Voilà pourquoi nous abordons cette série. Pour qu'en ces débuts d'année, que nous puissions être conscients qu'il y a des choses qui peuvent arriver demain et que nous pouvons éviter.
Nous passons généralement beaucoup de temps à rêver. À avoir des visions. Comme on entend souvent, on nous le répète chaque jour. Il faut avoir une vision. Il faut savoir où l'on va. Avoir une vision, c'est une très bonne chose. Avoir des rêves, c'est une bonne chose. Mais on ne doit pas rester que dans la vision. Parce que celui qui rêve dans la vision, il passe tout son temps à rêver son avenir. Mais ce que Dieu veut, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous ne puissions pas seulement rester en train de rêver l'avenir, mais que maintenant, que nous puissions poser des actes, que nous puissions passer à l'acte, agir. De telle manière que par nos actions, nous attirons l'avenir que nous souhaitons. Parce qu'il arrive souvent qu'on est en train de rêver l'avenir, on a la vision. Mais les actions que nous posons aujourd'hui n'attirent pas l'avenir que nous souhaitons. C'est pour cela, frères et sœurs, cette série est une invitation à la sagesse. Cette série que nous allons suivre tout ce mois de janvier est une invitation à la sagesse. Parce que la sagesse influence la qualité de vie que l'on a. Deuxièmement, cette série est une invitation à la compréhension. La compréhension de certaines réalités. Car, comme l'a dit quelqu'un, il y a des réalités, il y a des choses qu'on arrête de faire que lorsqu'on obtient la compréhension. Alors revenons à ce passage que nous avons lu pour voir la première erreur et l'une des erreurs fondamentales que plusieurs personnes commettent et qui conduit leur vie à la ruine. La première erreur qui conduit à la ruine, c'est ignorer Dieu. Frères et sœurs, ignorer Dieu est une erreur grave. Ignorer Dieu est une erreur fatale. Ignorer Dieu est destructeur. Dieu est notre créateur. Dieu est celui qui a voulu que toi et moi nous puissions exister. C'est donc une folie grave que de l'ignorer, de le mettre de côté, de ne pas tenir compte de lui. Il n'y a pas d'équilibre dans la vie quand on exclut Dieu. Toute vie dans laquelle Dieu est exclu est une vie déséquilibrée. Et nous le voyons autour de nous. Dans la société. Regardez toutes ces sociétés, toute notre société qui est soi-disant développée. On ne veut plus parler de Dieu. À la télévision. À l'école. Dans les universités. On ne veut pas parler de Dieu. C'est vrai que certaines sociétés dans lesquelles on a exclu Dieu sont technologiquement avancées. Sur le plan médical, les limites ont été repoussées. On peut faire des études sur ce qui est infiniment petit. On peut faire des diagnostics aujourd'hui qu'on ne pouvait pas faire il y a quelques années passées. Et on vit dans une certaine abondance. Mais mes frères, ne nous arrêtons pas qu'à ce vernis extérieur. Dans le nombre des personnes.
personnes dans ces pays qui sont déprimées. Qui ne sont pas heureux. Qui doivent vivre d'une manière permanente en prenant des produits et des médicaments. Regardez le nombre de divorces dans tous ces pays soi-disant développés. Regardez ces enfants dans ces pays qui grandissent sans repère. Et regardons à la criminalité qui monte encore dans notre monde. Pensons à tout ce terrorisme. Le terrorisme n'est pas le résultat du hasard, mes frères. Ce n'est pas un accident. Mais ce terrorisme ne sera pas résolu simplement par la force militaire. Alors, on exclut Dieu, on est déséquilibré. Il ne peut y avoir de joie. Il ne peut y avoir de paix. Il ne peut y avoir de prospérité lorsque Dieu est ignoré. Sans Dieu, l'homme est malheureux. Sans Dieu, l'homme est minable. J'ai parlé des nations, mais que dire des vies? Regardez toutes ces personnes qui ne veulent pas reconnaître Dieu. Qui ignorent Dieu. Ils peuvent être les plus acclamés du monde. Être les personnes les plus célébrées. Les personnes en vue. Dans les secrets de leur cœur, ils sont toujours malheureux. Bon, je voudrais dire encore à tous mes frères et toutes mes sœurs, c'est pour cela n'enviez jamais quelqu'un qui n'a pas Dieu. N'enviez jamais quelqu'un qui n'a pas Dieu. Car s'il vous ouvre les secrets de son intimité, vous découvrirez combien, au-delà de son apparence de gloire, son apparence de succès, c'est une personne misérable. Frères et sœurs, ignorer Dieu a des conséquences. L'insensé dit en son cœur, dit le psalmiste. Il n'y a point de Dieu. Et continue, ils se sont corrompus. Lorsqu'on ignore Dieu, la suite, c'est la corruption. Ce qui est corrompu, c'est ce qui est gâché. Celui qui ignore Dieu, il ne peut que vivre dans la corruption. Oui, il n'a pas des normes. Regardez comment quelqu'un peut aujourd'hui détruire son mariage, avoir un amant. Il est marié, mais il a une autre copine. Il est marié, elle est mariée, mais elle vit avec un autre homme à côté. L'insensé dit dans son cœur qu'il n'y a point Dieu et il vit dans la corruption. Quand quelqu'un ignore Dieu, la corruption sera son lot. Et la corruption ne va pas le déranger. Il va vivre dans une corruption terrible. Quand quelqu'un ignore Dieu, il va aller d'abomination en abomination. Le psalmiste dit, ils ont commis des actes abominables. Lorsqu'on ignore Dieu, on va vivre dans l'abomination. Que de fois l'homme, censé, instruit, fait des choses même
même que les animaux ne peuvent pas faire. Que les bêtes ne peuvent pas faire. Que de fois l'homme qui est instruit, qui a inventé le téléphone, Facebook, WhatsApp, Android, peut poser des actes terribles. Et on se dit, mais est-ce que c'est cet homme qui instruit? Est-ce que c'est cet homme qui a des grands diplômes? Frères et sœurs, j'aimerais vous poser une question. Reconnaissez-vous Dieu dans votre cœur? Dans votre vie? Lorsque nous parlons d'ignorer Dieu, nous allons voir ce soir, ce matin, les différentes facettes que cela peut prendre. Ignorer Dieu peut prendre plusieurs facettes. Ignorer Dieu, ce n'est pas seulement ne pas aller à l'église. Vous savez, on regarde parfois certaines personnes qui restent toujours chez eux à la maison. Il ne va dans aucune église. Et on lui dit, oh, mais toi, pourquoi tu es comme ça? Pourquoi tu ne donnes pas à Dieu une place dans ta vie? Ce n'est pas seulement celui qui vient à l'église qui fait de la place à Dieu dans sa vie, non. On peut être à l'église tout le jour mais ignorer Dieu. On peut même prier, être prédicateur mais ignorer Dieu. Et être insensé. Alors rapidement, la première facette que cela peut prendre, c'est notoire, c'est refuser l'existence de Dieu. Dieu n'existe pas. Et nous voyons certaines personnes au nom d'un certain savoir intellectuel, ils disent Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Dieu n'existe pas. Et vous verrez même certains se moquer de ceux qui croient en Dieu. Et dire comment un homme sensé peut croire que Dieu existe. Comment un homme instruit comme toi peut croire que Dieu existe? J'ai aimé ce que quelqu'un a dit. Un peu de connaissance vous éloigne de Dieu. Et beaucoup de connaissance vous ramène à lui. Beaucoup de connaissances va vous ramener à Dieu. Quand vous regardez tous les astres, le soleil, les étoiles qui brillent, les cours d'eau, les montagnes, la beauté de la création, comment ne pas croire en Dieu? La complexité de tous ces mécanismes biologiques qui se déroulent pendant que vous êtes assis maintenant. C'est une folie que de dire que Dieu n'existe pas. Le temps me manquerait ce matin de vous citer le nom de plusieurs personnages célèbres dans l'histoire de l'humanité qui à un moment ont dit que Dieu n'existe pas, mais à la fin de leur vie, à des circonstances qui les ont amenés à croire que Dieu existe. Il y a quelque temps, je suivais un scientifique, un professeur d'université, c'était dans un colloque et c'était une conférence. Il démontrait, il expliquait comment c'est fou de dire que Dieu n'existe pas. Mais comme vous le savez, frères et sœurs, pour l'homme, même si la vérité est devant lui, l'homme va choisir de s'imposer lui-même la vérité, une vérité qu'il se crée lui-même. Et parfois même scientifiquement, il y a des personnes
qui ne sont pas honnêtes. Parce que vous savez quoi, frère? Reconnaître que Dieu existe signifie que nous ne sommes pas la source de la vérité. Si Dieu existe, c'est qu'il y a une autre source de vérité, c'est Dieu. Alors l'homme ne veut pas reconnaître qu'il y a au-dessus de lui celui qui est la source de la vérité. L'homme veut être lui-même, il veut se déclarer la source de la vérité. Il veut s'imposer les normes. Il ne veut pas qu'on lui impose les normes. Il ne veut pas qu'on lui impose, qu'on lui montre la direction. Les soucis d'écarter Dieu. Ce souci-là n'a pas commencé aujourd'hui. Il a commencé depuis les temps anciens. L'homme veut détrôner Dieu. Devenir son propre Dieu. Et ça, nous le voyons lors de la construction de la tour de Babel. Construisons-nous une tour. Qui fait quoi? Dont les sommets touchent. Et le souci de l'homme, c'est de détrôner Dieu. Mes amis, on ne peut détrôner Dieu. Lorsque l'homme cherche à détrôner Dieu, il va se laisser manipuler par les démons. Lorsque détrôner Dieu, il va se laisser manipuler par les démons. Mais vous toutes ces personnes qui disent, moi je ne crois pas, Dieu n'existe pas, Dieu n'existe pas. Ils sont tous dans des religions orientales, des religions de l'Asie, dans certaines pratiques qui sont au fait des portes par lesquelles les démons dominent leur vie. Ils ne croient pas en Dieu, mais ils sont esclaves. C'est pour cela, quand vous voyez que quelqu'un dit Dieu n'existe pas, il ne suffit pas que d'engager un débat avec lui. Il faut être ému de compassion pour lui. Parce qu'il est malheureux. Deuxième facette que cela peut avoir. Deuxième facette que le fait d'ignorer Dieu peut avoir. C'est refuser Jésus-Christ. Refuser Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous voyons autour de nous beaucoup de personnes qui parlent de Dieu. Qui crient, nous croyons en Dieu. Nous aimons Dieu. Mais nous n'aimons pas Jésus-Christ. Nous ne croyons pas en Jésus-Christ. Qui a dit qu'il faut seulement Jésus? Et que de fois c'est, excusez-moi, mais c'est désolant, c'est triste d'entendre même des personnes qui prient, qui vont dans des églises vivantes, ça fait 10, ça fait 5 ans. Mais ça bouni kai bo kunvo bantu ba yaye mo ekeleje ba sambile kali bilimu jikumi. C'est lui aussi il prie là-bas, c'est pas un problème. Yende lu sambile ndo kona kimbo aluto. L'essentiel c'est qu'il prie aussi. Chamushinga jani, uru sambile hende. Non! Ki na nguto. L'essentiel ce n'est pas qu'il prie aussi. Chamushinga ki ngan bo alu sambile ndo to. D'une manière qui est correcte et qui est juste. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'y a qu'un seul chemin qui conduit à Dieu. Le chemin qui conduit à Dieu, c'est Jésus-Christ. Alors, Jésus ignore Dieu. Il peut être dans la religion. Il peut être pieux. Il peut être pieux. Il peut être très
assidu dans sa religion. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu? Mais refuser la solution de Dieu. Comment tu peux dire que tu crois en Dieu? Refuser le chemin que Dieu te place. Mes frères et sœurs. Mettons de côté ces relations familiales que nous avons. Nous regardons nos parents. Nous regardons nos frères. Qui sont dans la religion. Nous disons dans notre cœur non. Mon papa ne peut pas être sur une mauvaise voie. Ma maman ne peut pas être sur une mauvaise voie. Cet ami ne peut pas être sur une mauvaise voie. Oh, mais c'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui pose des bonnes actions. C'est quelqu'un qui pardonne. C'est quelqu'un qui soutient. Mais s'il n'accepte pas Jésus-Christ, il ignore Dieu. Il n'y a que Jésus qui peut nous révéler le Père. Il n'y a que Jésus qui peut nous montrer qui est le Père. Sans Jésus, il n'y a point de relation avec Dieu. Sans Jésus, il n'y a pas de marche avec Dieu. Il n'y a personne aujourd'hui qui vient parfois dans nos églises ne le connaissent pas. Il suffit simplement de lire les commentaires que nous faisons sur les réseaux sociaux, sur certaines publications, pour comprendre que parfois on ne comprend rien. Regardez comment même certaines personnes qui prient critiquent certains pasteurs qui ont le courage de dire à haute voix certaines choses. Vous voyez des personnes les critiquer. Mais simplement parce qu'on ne comprend pas. Frères et sœurs, il y a point deux vérités. Il y a point trois vérités. Il y a une seule vérité. Et la vérité, c'est Jésus-Christ. La vérité, c'est Jésus. Et la Bible dit, il y a point d'autre intermédiaire entre Dieu et les hommes. Le seul intermédiaire, c'est qui? C'est Jésus-Christ. Alors quand on invente toutes sortes d'intermédiaires, le but c'est d'éloigner les cœurs de Jésus-Christ. Quand on invente toutes sortes d'intermédiaires, le but c'est de séparer les cœurs de Jésus. Quel est cet homme sensé? On lui propose la lumière du soleil. Je ne veux pas vivre avec la lumière du soleil. Donnez-moi une torche. Non. Un homme sensé. Il va vouloir vivre la lumière du soleil. Amen. C'est pour cela qu'il n'y a pas de saint que nous devons prier. Il n'y a pas de saint que nous devons attendre. Il n'y a pas de saint. Il n'y a pas de saint parce que nous tous nous sommes saints. Vous voyez, vous ne dites pas amen. Parce que la religion nous a formatés. Il n'y a pas de saint que nous devons attendre, que nous devons prier. Il n'y en a pas. Non, mes frères, il n'y en a pas. Il n'y a pas de saint. Un certain jour, les gens portent noir et rouge noir. Vous connaissez ce jour-là? C'est bientôt, hein? Et vous verrez toutes sortes de personnes avec des photos, des publications sur les réseaux sociaux.
On voit bantu. Quand quelqu'un publie comme ça ce jour-là, tu dis qu'il ne connaît pas la parole de Dieu, il ne comprend rien. Vous m'avez compris? Tu as besoin d'attendre un jour spécial pour dire à ta femme que tu l'aimes. Celui qui n'a pas Jésus ignore Dieu. Celui qui m'a vu a vu le Père. On ne peut voir Dieu sans le Fils. Vous savez pourquoi le monde ne veut pas de Jésus? Parce que le monde veut la religion. Dans la religion, c'est l'homme qui dicte les choses. Mais dans le christianisme, c'est Dieu qui dicte les choses. Voilà pourquoi le monde ne veut pas de Jésus. Parce que Jésus ne vient pas de la terre. Jésus vient d'en haut. Il vient d'en haut, il nous amène des révélations d'en haut. Jésus nous montre qu'on ne peut pas suivre Dieu comme on veut. On ne peut suivre Dieu que sur le chemin que Dieu lui-même a tracé. Mais la religion ne veut pas de Jésus. Parce qu'on veut suivre Jésus à notre manière. On veut suivre Jésus et être polygame. On veut suivre Jésus et être homosexuel. On veut suivre Jésus et être voleur. On veut suivre Dieu et être voleur. On veut suivre Dieu et être dans l'ivrognerie. Frère Jésus, lorsqu'il est là, Jésus dérange le monde. Jésus dérange les religieux. Parce que lorsque Jésus est là, il y a quelque chose de divin. Il y a la loi dedans. Vous savez, c'est cela quand Jésus entre dans le cœur de quelqu'un. Il y a des passions qui disparaissent. Il y a des tendances qui seront brisées. La troisième facette que cela peut prendre, ce n'est pas écouter Dieu. Refuser de l'écouter. Et vous savez, ça peut arriver même à des personnes qui prient déjà. Ils prient, mais à un moment dans un domaine de sa vie, il ignore Dieu. Il refuse d'écouter Dieu. Et nous voyons l'histoire du peuple d'Israël au retour des 12 espions. Ils ont ignoré Dieu. Dieu leur a dit, vous pouvez entrer dans cette terre. Je vous la donne. Mais les 10 espions disent, nous ne pouvons pas y entrer. Frères et sœurs, Dieu, tu es un insensé. Le domaine dans lequel tu n'écoutes pas Dieu, dans ce domaine tu es insensé. Écoutons Dieu. Écoutons-le sur chaque domaine de nos vies. Écoute Dieu. Ne mets pas de côté ses paroles. Ne mets pas de côté ses directives. Ne mets pas de côté la sagesse de Dieu. Écoutez Dieu. Écoutez Dieu. Ce n'est pas seulement entendre le son. Écoutez Dieu. Ce n'est pas seulement écouter la prédication. Écoutez Dieu. Se faire en fonction de ce qu'il a dit. Quand tu ne fais pas, quand tu n'agis pas en fonction de ce que Dieu a dit, même si tu suis les prédications chaque dimanche, tu n'écoutes pas Dieu. Un père va dire, ce fils m'écoute. Or, il sait que ce fils fait ce que lui
lui il dit au fils, écoute Dieu mon frère, jeune homme écoute Dieu, si tu n'écoutes pas Dieu tu l'ignores, écoute-le sur le mariage, qu'est-ce qu'il dit sur le choix du conjoint, ne choisis pas de n'importe quelle manière, ne regardes pas la beauté extérieure seulement. Ne regarde pas l'apparence seulement. Je ne regarde pas qu'à l'abondance matérielle. Ne regarde pas la position. Écoute Dieu. Toi qui es marié, écoute Dieu. Comment tu traites ta femme? Comment tu traites ton mari? Infidélité est un péché. Écoute Dieu. Si tu es infidèle, c'est que tu n'écoutes pas Dieu. Écoute Dieu sur les traitements que tu accordes à tes enfants. Tu dois les aimer. Tu dois les chérir. Tu dois leur montrer la voie. Tu dois être ferme avec eux. Ne fais pas semblant. Les directives de Dieu, les ordonnances de Dieu sont toujours pour notre bien. Courbons nos têtes.